السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. جمعة مباركة وعواشر مباركة أيضا، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. إذا هذا الفيديو موجه لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي مسار دولي مادة الفيزياء والكيمياء. نحن دائما في تتمة لتصحيح الامتحان الموحد الجهوي. الآن توقفنا في التمرين الثاني ديكزيرسيس 3 sur le poids et la masse. Dans ce 4,5 poids, on commence tout d'abord par la lecture. On considère un corps solide S et homogène de masse M suspendu par un fil d'un dynamomètre. Voilà la figure suivante. Voilà la figure où il y a un dynamomètre cadrant, son multiplieur, et vous avez ici l'objet. Bien sûr, avec un point A de contact avec le fil. Première question, faire le bilan des exercices, des forces exercées sur le corps S, puis classer ces forces en action de contact et à distance. Deuxième question, déterminer les caractéristiques du poids P du corps S. La troisième question, calculer la masse M du corps S. Sachant que l'intensité de pesanteur est égale à 10 N par kilogramme. Quatrième question, en appliquant les conditions d'équilibre, donner les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur le corps S. Cinquième question, présenter en justifiant ta réponse et sur la figure précédente, ici il montre E, les forces P. Et F en utilisant l'échelle suivante, 1 cm pour 1 newton. Sixième question, calculer l'intensité du poids du corps S à la surface de la lune GL, où l'intensité de la pesanteur est égale à 1/16 de sa valeur à la surface de la Terre. Voilà l'énoncé de cet exercice. Maintenant, on passe à la solution détaillée. Alors, pour la première question, ils ont demandé de faire le bilan des forces qui s'exercent sur le corps S. Tout d'abord, il faut commencer par le système étudié. Mes chers élèves, on écrit le système étudié sur le corps S. Deuxième étape, il faut chercher les actions, de contact. Vous avez ici une seule action de contact, c'est-à-dire la force exercée par le fil de dynamomètre sur le corps S. Et bien sûr, ils ont demandé de classifier cette force. C'est un contact localisé parce que se passe le fil et le corps. Entre ces deux corps, bien sûr, il y a un point. Deuxièmement, il faut chercher les forces à distance. Vous avez toujours une seule force à distance, c'est l'action du poids du corps S. C'est une distance, bien sûr, ou bien c'est une action à distance. C'est une action à distance répartie. Maintenant, la question suivante. Deuxième question, il faut déterminer les caractéristiques du poids. Tout d'abord, le point d'application, c'est le centre de gravité. Je grandis un peu. Le centre de gravité G de S. La ligne d'action, c'est une droite verticale passant par G. Le sens de G vers le bas. Et l'intensité, bien sûr, il manque ici l'intensité. C'est, on a le corps S en équilibre sur l'action de deux forces, P et F. Alors, on écrit tout simplement la somme vectorielle. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire ça, tout simplement. Donc, c'est mieux d'écrire tout simplement les caractéristiques sans justifier, parce qu'on a déjà calculé, bien sûr, on peut déduire directement l'intensité d'après le dynamomètre cadrant. On déduit directement que P est égal à 2 newtons, tout simplement, sans faire toutes ces étapes. Alors, pour la question numéro 3, ils ont demandé de calculer la masse de ce corps. Tout d'abord, on écrit M est égal à P sur G. Vous avez que P est égal à 2 newtons et G est égal à 10 newtons par kilogramme. Donc, vous allez trouver 0,2 kg. Si vous voulez faire la conversion en grammes, ça fait 200 grammes. Question numéro 4, ils ont demandé de déterminer les caractéristiques, bien sûr, de la deuxième force en justifiant, bien, en appliquant les conditions d'équilibre. Maintenant, il faut écrire ces conditions
pour la question numéro 4, c'est-à-dire on écrit, puisque le corps S est en équilibre sous l'action de deux forces, alors ces deux forces ont la même direction, la même intensité, deux sens opposés. Alors, et après on écrit donc les caractéristiques de la force F qui est exercée par le fil sur le corps S. Son point d'application, le point A, la ligne d'action, c'est la droite verticale AG, c'est-à-dire la même direction, voilà, et le sens de A vers le haut, le sens opposé de P bien sûr, et vous avez l'intensité F est égale de Newton qui est égale à la même intensité du poids. Pardon. Alors, concernant la cinquième question, c'est de représenter bien sûr les deux forces. Donc, tout d'abord, pour représenter les deux forces, vous avez PF. Il faut représenter ces deux forces par deux vecteurs de même longueur, 2 cm, en utilisant l'échelle 1 cm pour 1 newton. C'est-à-dire, on représente 2 newtons par 2 cm et voir la figure suivante. Voilà, je prends bien sûr le centre de gravité de cet objet. Donc, le centre de gravité sur le milieu, ici, grand G. Après, bien sûr, en utilisant la règle, je trace le vecteur P. D'accord? Après, je prends une autre couleur différente et je trace la deuxième force. Bien sûr, la force exercée par le fil de ces dynamomètres vers le haut. À ne pas oublier d'indiquer la flèche et vous écrivez F, bien sûr, flèche. Voilà la représentation de ces deux forces. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'ajouter, bien sûr, le sens ou bien la direction de ces deux forces. Faites attention, juste à un petit rappel concernant le cadran utilisé ou bien le dynamomètre utilisé. C'est un dynamomètre à aiguille. Faites attention, ça c'est un dynamomètre à aiguille. Regardez ici, cette valeur représente la force maximale, ou bien l'intensité maximale qui peut mesurer ce dynamomètre. Ce n'est pas le multiplieur. Le multiplieur, si vous avez trouvé dans un cadran ou bien dans un dynamomètre fois 0,1 par exemple, c'est-à-dire ça c'est un, bien sûr c'est un dynamomètre à cadran avec multiplieur. Ça sans multiplieur. Vous n'en avez pas, ça représente tout simplement la force maximale qui peut mesurer ce dynamomètre à cadran. Faites attention. Voilà. Pour la sixième question, mes chers élèves, vous en demandez de déterminer bien sûr le poids sur la Lune. Selon les données sur la Terre, question numéro 3, on a que G est égal à 10 newtons par kilogramme. Alors, puisque la masse d'un corps ne dépend pas du lieu où il se trouve, alors la masse restera invariable, ou bien restera la même, égale à 0,2 kg. Bien. Alors, on écrit la relation. Ils ont dit que G de la Lune est égal à 1 sixième G de la Terre. On écrit cette formule tout d'abord, bien, qui est égale, et j'en place, bien sûr, GT par sa valeur, c'est-à-dire 1 sur 6 fois 10, qui représente l'intensité aux hauteurs sur la Terre, et vous allez trouver 1,66 newtons par kilogramme. Et après, on a la relation. Je note P' est égal à l'intensité du poids sur la Lune, qui est égal à la masse du même objet fois G, l'intensité de pesanteur sur la Lune maintenant. La masse, comme nous avons déjà dit que la masse d'un cœur ne dépend pas du lieu, donc on garde la même valeur. Donc je note 0,2 kg multiplié par 1,66 newton, bien sûr, kilogramme moins 1. On simplifie par kilogramme et vous allez trouver que l'intensité du poids sur la Lune qui est égale à 0,332 newton. Vous pouvez bien sûr écrire seulement deux chiffres après la virgule, ce n'est pas un gros problème. Voilà. Alors, c'est tout, mes chers élèves, pour cet exercice. J'espère que j'ai bien expliqué comme d'habitude. Je vous remercie pour votre attention et bonjour, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir.